Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'avais envie de vous retrouver pour une vidéo un peu plus posée dans laquelle on va parler de patrons à l'inspiration vintage et cottagecore. Je sais que moi j'adore regarder ce genre de vidéos et j'avais envie de pouvoir partager ça avec vous parce que je trouve que ça aide à retrouver un petit peu l'inspiration quand on l'a perdue et puis ça donne de nouvelles idées pour des cousettes, donc je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Alors aujourd'hui je vais principalement vous partager des idées de patrons pour l'été, mais si le concept vous plaît je n'hésiterai pas à en faire pour d'autres saisons et je ne vais pas faire cette intro beaucoup plus longue, on va pouvoir commencer avec le premier patron. Donc le premier patron dont je voulais vous parler, c'est le patron de la robe Milkmaid. J'en ai réalisé une sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mettrai dans le petit juste ici pour que vous puissiez aller la voir si ça vous intéresse. Mais c'est une des robes que l'on voit partout une fois qu'on tape sur les réseaux sociaux robe cottagecore. C'est une des premières qui apparaît et donc je me suis dit que je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de cette robe. Alors moi le patron que j'ai utilisé, j'étais un petit peu déçue, il n'était pas super bien expliqué, mais je vous avais proposé une alternative qui était du coup celle du patron de Lydia Naomi que j'ai trouvé sur Etsy mais qui fait également des vidéos sur YouTube et la robe est expliquée en vidéo donc c'est vraiment simple à suivre et vraiment facile à coudre et sa robe est vraiment super jolie. La seule chose c'est qu'il est en anglais donc si jamais vous en voulez un en français je vous ai trouvé une autre alternative, c'est la robe Carthage de Belen Paris. Elle est aussi vraiment super jolie, elle est un petit peu différente parce que le modèle se porte un petit peu plus sur le bas des épaules mais je la trouve vraiment vraiment super jolie. Donc, je pense que ça peut être plutôt sympa à coudre et je trouve que ça rentre parfaitement dans le thème cottagecore, donc voilà. Je pouvais pas vous faire une vidéo où on parle vintage et cottagecore sans vous parler du fameux corset. Je trouve que c'est une pièce vraiment magnifique qu'on voit de plus en plus maintenant, aussi bien dans les magasins de fast fashion que sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est tellement élégant, c'est plus presque un accessoire qu'on va porter au-dessus d'une tenue pour valoriser la tenue ou pour lui donner un autre style. Et vraiment moi j'adore, j'ai cousu d'ailleurs mon premier corset, c'était une toile, mais avec le patron que je vais vous proposer je l'ai cousu et j'ai adoré, j'ai trouvé qu'il était vraiment super bien expliqué, sachant qu'il y avait plein de techniques que j'avais jamais faites comme les gouttières etc. pour passer les baleines, mais j'ai trouvé ça vraiment super bien expliqué. Alors vous m'excusez si je ne le prononce pas correctement, mais c'est le patron du corset que j'ai trouvé sur Etsy par Lunettes. C'est vraiment un très très chouette patron, j'adore le style, je le trouve magnifique et d'ailleurs j'ai hâte de le refaire en plusieurs modèles tellement je le trouve beau et je pense que ça pourrait s'associer avec plein de robes, donc voilà, je le trouve vraiment vraiment magnifique. Il est expliqué en français et en anglais et il y a une vidéo en français sur YouTube qui donne toutes les explications aussi pour réaliser le corset, donc vraiment on est accompagné tout le long, donc voilà, si c'est une pièce qui vous intéresse, je pense que ce patron pourrait vous plaire. Et après j'ai aussi vu des alternatives peut-être un petit peu plus faciles à porter que celui-là. Toujours chez Belen Paris, j'ai vu qu'ils avaient plusieurs sortes de corsets, dont un qui fait vraiment top en fait, comme une blouse, comme un top à porter avec un pantalon. Et je trouve que c'était aussi très très joli et je pense que je pourrais me laisser tenter par un de leurs patrons parce qu'ils ont l'air très élégants. Donc voilà, si vous aimez bien les idées de corsets, je pense que ça peut être deux patrons qui peuvent beaucoup vous plaire. Alors ensuite, je pouvais pas continuer non plus cette vidéo sans vous parler de la fameuse jupe cercle. Je trouve que c'est une jupe qui représente tout à fait le style vintage ou même le style cottagecore. Je sais que la jupe cercle n'a pas été portée à toutes les époques, mais je la trouve tellement magnifique, elle rappelle beaucoup le style un peu pin-up années 50 qu'on peut voir beaucoup. Et c'est en plus un des premiers modèles de jupe que j'ai appris à coudre, c'est avec les jupes cercles que j'ai vraiment appris à coudre, je trouve ça très facile. Ça permet de pas acheter de patron parce que mine de rien, les patrons ça revient relativement cher. C'est
vraiment une cousette voilà, facile et à porter, facile à faire et qui rentre parfaitement dans les deux styles. Je voulais quand même vous en parler dans cette vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos plusieurs liens qui vous permettront de faire les calculs pour réaliser la jupe dans vos mensurations. D'ailleurs, un des sites qui permet d'avoir la calculette pour la jupe cercle, c'est le site de Mood Fabrics. Il est en anglais, mais je me suis dit que ça pouvait aussi vous intéresser parce qu'ils partagent pas mal de patrons gratuits et ils sont tous vraiment super beaux et il y en a plusieurs dans le style cottagecore ou vintage ou en tout cas qui pourraient y rentrer parfaitement. Et du coup, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu leur site pour trouver des petites pépites. J'en ai déjà téléchargé plusieurs que j'aimerais bien faire prochainement, juste je manque encore un petit peu de temps, mais je pense que ça pourrait vous intéresser. Et il y a d'ailleurs une salopette à volant que j'aime beaucoup, j'ai le tissu, j'ai tout, mais il faut juste que je m'y mette pour la réaliser. Alors il faut quand même quelques bases en couture parce que les explications sont assez concises et les mensurations sont assez compliquées à comprendre, donc voilà, peut-être faire quand même une toile, même si j'aime pas trop faire ça, peut-être quand même faire une toile avant pour être sûr de ne pas gaspiller un tissu qui vous plaît pour faire une de leurs réalisations, mais je pense que vous pouvez aussi trouver votre bonheur sur ce site là. Ensuite on va parler d'un patron que je n'ai pas encore acheté mais j'ai eu un énorme coup de cœur dessus et j'ai trop hâte de l'acheter et trop hâte de le réaliser. C'est le patron de la robe Marilyn Monroe de Vintage Sewing Pattern Company. C'est un site qui remet en ligne plusieurs patrons vintage en PDF et donc il y a vraiment moyen de trouver pas mal de patrons vintage vraiment magnifiques. Donc il y en a plusieurs qui m'ont plu mais c'est vraiment celui-là sur lequel j'ai eu un coup de cœur et je pense refaire très bientôt. Il y a deux versions du patron, une version à bretelles et une version à manches longues et vraiment les deux sont superbes et je pense d'ailleurs que la version à manches longues en couleur crème avec un corset ça pourrait être magnifique ou même en couleur un peu vert kaki avec un corset avec des motifs, je pense que ça pourrait être trop beau et j'ai vraiment très envie de tester et je pense d'ailleurs que quand je le ferai je vous emmènerai avec moi dans mon atelier couture pour la coudre ensemble parce que c'est vraiment un modèle qui me tente vraiment beaucoup et qui rentre du coup parfaitement dans la case des coutures vintage donc je pouvais pas faire sans vous en parler. Du coup voilà, je pense que ce sera une couture que je ferai très prochainement et je pense qu'il peut aussi être très beau avec des fines bretelles et un tissu un peu vichy dans les tons pastels, je pense que ça peut être super joli ou même dans des tons plus orangés. Bon là je me dirige vers l'automne mais voilà, je pense qu'il y a vraiment plein de possibilités et que ça peut être super facile à porter et confortable. Donc voilà, je pense que ce patron va beaucoup me plaire et j'espère qu'il vous plaira aussi parce que moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Ensuite je voulais vous parler d'un modèle de robe qui est peut-être un peu plus difficile à porter mais que moi j'adore. C'est une robe traditionnelle qu'on appelle le drindle. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça mais voilà, je trouve ces robes vraiment super jolies. J'en ai d'ailleurs déjà réalisé une en bleu clair avec pour inspiration la robe de Belle dans La Belle et la Bête et j'adore. J'adore cette robe, elle est très confortable à porter avec la petite blouse en dessous, je trouve ça super joli. Et en plus je pense qu'elle est vraiment déclinable dans plein de couleurs différentes, j'aimerais beaucoup la faire dans un lin un peu vert foré ou alors dans la couleur un peu ocre comme ça, je pense que ça peut être super beau. Du coup pour réaliser cette robe j'avais utilisé le patron sur le site Folkwear que j'avais vraiment adoré, qui était vraiment super bien expliqué, mais je sais qu'il existe aussi une alternative en français, c'est le patron Burda 8448 qui est tout aussi joli. Et voilà, si vous aimez un petit peu ce style de robe qui fait un peu traditionnel, qui est peut-être plus difficile à porter, et encore je pense que ça peut être modernisé selon la façon dont vous le portez, donc enfin voilà, si vous aimez bien, je pense que vous pouvez foncer sur un de ces deux patrons, ils sont vraiment tous les deux super beaux. On va continuer encore un petit peu dans les robes avec les robes boutonnées. J'adore les robes boutonnées de haut jusqu'en bas. Je trouve que ça fait aussi un petit rappel très vintage. Ça me fait penser aux robes un peu chemises des années 40 que j'adore. Je suis fan de ces modèles de robes. Et j'ai vu une version très simple de Rosary Apparel. Désolée pour l'accent. C'est une youtubeuse australienne qui fait des vidéos sur la couture et qui partage aussi des patrons sur son site internet qui sont payants mais qui sont vraiment super jolies, qui ont l'air tellement confortables et qui ont l'air vraiment faciles à réaliser. En plus, ben, forcément pour chaque patron qu'elle vend, il y a une vidéo explicative de comment le réaliser, il y a même parfois des hacks pour le transformer. Donc voilà, ces patrons ont vraiment l'air super chouettes et j'ai vraiment envie d'essayer ce modèle de robe. Je pense que ça peut être vraiment super joli, qu'il peut y avoir moyen de le faire sur plein de tissus différents et le porter soit tout simple ou avec une ceinture, ça peut être très joli. Et je pense aussi qu'une version sans manches avec ses grosses bretelles et le col en V, ça peut aussi être
être trop trop joli, quitte à le porter avec aussi un petit t-shirt blanc en dessous ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être hyper intéressant et vraiment c'est un patron que j'ai très très envie de tester prochainement et qui je pense peut être vraiment léger et agréable à porter quand il fait chaud, donc voilà. Et on va continuer dans les robes toujours boutonnées sur le devant. Il y a une autre version de ce genre de robe dont j'ai craqué sur Etsy. Je vous partagerai deux patrons différents, un en français, un en anglais. C'est très similaire à la robe que je viens de vous montrer, sauf que ça c'est sur fine bretelle avec un col en V également. Et je pense que vraiment ça aussi pour l'été c'est une robe passe-partout. On va changer un petit peu des robes et on va parler d'une blouse que j'aime vraiment beaucoup, c'est la blouse Frida de Atelier Vernis, qui est d'ailleurs déclinable aussi en robe, mais j'ai vraiment craqué sur la version blouse. Je trouve qu'elle est vraiment super jolie, qu'elle peut être portée de plein de façons différentes, qu'elle a l'air légère et confortable, donc ça je trouve c'est tellement important, surtout quand il fait chaud, d'avoir des vêtements qui peuvent être confortables à porter et qui ne donnent pas trop chaud. J'ai eu un gros coup de cœur dessus et je pense le tester aussi prochainement, surtout que je coupe pas souvent des blouses alors que je manque pas mal de blouses, donc voilà, je pense que ça peut être un patron hyper intéressant. Et là j'avais envie de vous parler d'un patron que je n'ai pas encore cousu, mais j'ai acheté le patron, j'ai imprimé le PDF, je l'ai coupé, il est prêt, j'ai plus qu'à trouver le tissu pour le coudre et ça ne saurait tarder, je pense faire ça dans les prochaines semaines parce que j'ai vraiment vraiment hâte de le coudre. C'est le pantalon Adeline de Vicky Sou. En tout cas il a l'air vraiment magnifique, je l'ai vu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et il me donne trop envie depuis un moment. Moi je sais pas vous, mais j'ai énormément de mal à trouver des pantalons qui me conviennent à ma morphologie mais qui conviennent à mon style aussi en magasin, et du coup ça fait un moment que je rachète plus du tout de pantalons et je me suis dit que j'allais tenter de les coudre, sauf que bon, ça me fait un petit peu peur de passer à l'étape de la couture du pantalon, mais je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Mais du coup quand j'ai vu ce modèle de pantalon, je me suis dit que ça pouvait totalement se marier à mon style. Le fait qu'il soit taille haute, je trouve que ça rappelle un petit peu le côté vintage de certains pantalons, et je trouve que le fait qu'il soit pas totalement, qu'il soit assez large au niveau des hanches mais qu'il s'affine un petit peu au niveau des jambes sans être trop serré, ça a l'air de donner une belle morphologie. En tout cas j'espère, j'ai pas encore testé et je pense que si je teste, bah, je testerai avec vous, ou en tout cas je vous montrerai ça dans un bilan couture. Également possible de coudre en short, et je trouve que la version short elle fait vraiment vraiment très très vintage. Le fait qu'il soit large et qu'il soit taille haute, je le trouve vraiment magnifique. Je porte pas souvent de short parce que j'aime pas trop montrer mes jambes, mais j'ai vraiment envie de le tester pour le porter à la maison. Je pense que ça peut être hyper confortable et hyper joli, donc voilà. Et ensuite je voulais terminer cette vidéo avec une autre blouse. En fait, il y a plusieurs blouses. Je trouve que les blouses, les chemises avec un joli col, souvent ça se prête bien au style vintage ou cottagecore. Et par exemple, la blouse Antoinette que j'ai cousue ici dans ma dernière vidéo, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment parfaite dans ce style. Peut-être un peu plus sérieux, mais vraiment super beau. Et c'est portable avec un pantalon ou avec une jupe. Et ça, c'est très élégant. Et j'adore le motif, l'idée du col Claudine qui peut être vraiment vraiment hyper jolie, donc je trouve que c'est un petit peu un indispensable à avoir dans sa garde-robe et donc à coudre, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager cette idée. Mais de base je voulais vous parler du patron de la blouse Antea que je trouve aussi magnifique. Je pense que ça peut être hyper confortable à porter, hyper léger, dépendant du tissu qu'on utilise pour le faire, et ça peut être aussi joli dans une jupe ou dans un pantalon ou avec une robe par-dessus. Je pense qu'il peut vraiment être utilisé de plein de façons différentes. Il y a aussi une robe de chez Vicky Sou qui je pense peut être hyper jolie déclinée en chemise. Le col est vraiment très très beau et je pense qu'elle peut être parfaite pour ça, donc voilà, c'est un petit bonus tant que j'y pense, mais je pense qu'elle peut être parfaite. Bref, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais j'espère que ces idées de patron à l'inspiration vintage ou cottagecore ou les deux pour l'été vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des patrons qui vous intéresse, que vous avez envie de reproduire et comment vous allez reproduire. Je serais assez curieuse de voir vos versions, et n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des patrons que vous me conseiller dans ce style là, qui vous plaisent, que vous avez déjà fait, que vous me conseillez. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Moi je vais vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo, et en attendant je vous fais une tonne de bisous.